Bienvenue à tous, les tribunes du Lusail Stadium sont remplies. Ce duel tant attendu va enfin pouvoir commencer. Nous voilà, Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. C'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde pour ces deux pays avec ce premier match de poule. Et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. L'intensité émotionnelle, c'est ce qui caractérise ces matchs de Coupe du Monde. Il y a toujours ces petits papillons dans le ventre avant de commencer. Gonzalo Plata. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. La puissance y était, mais pas la précision. Une bonne occasion, mais ça passe assez loin. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Dans le but, on retrouve Edouard Mendy, Koulibaly avec Abdou Diallo en défense centrale. Kanagaï sera accompagné de Pape Gueye au milieu de terrain. Et devant, on retrouve Boulaïka. Oh là 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 là! Mais quelle frappasse! À cette distance en plus! Exceptionnel! La frappe, elle a l'air assez naturelle pour lui. Alors que pour 90% des gens, c'est physiquement impossible. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Ouais, bien joué, la passe pour quel danger. Oh, le pénalty. Et oui, l'arbitre qui montre le point de pénalty. C'est l'occasion de revenir à égalité. C'est donc un carton jaune pour cette faute. Il y a déjà un pénalty. Ça me semble une bonne décision. Et c'est dedans, le pénalty est transformé en toutes les contractions. Ah, c'est joli, on s'attend toujours à un ballon près du poteau dans la lucarne, mais on oublie que statistiquement, c'est au milieu qu'on a le plus de chances de marquer un pénalty. C'est très bien joué. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Aucune prise de risque, le ballon est dégagé. Et non, le ballon est perdu là. Pour Mendy. Ouais, bonne idée, c'est bien fait ce ballon. Ballon pour Pape Gueye. Attention pour mener au score peut-être. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien fait. Quel artiste pour tromper comme ça le gardien. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et à la fin, quelle classe! La vista et puis cette petite touche tout en douceur au-dessus du gardien, c'est magnifique. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Et belle passe en profondeur. Ah, et les supporters attendent la frappe. La détente de Mendy pour aller éloigner le danger. Corner. Oh là là, dégagement complètement loupé. Et attention à cette frappe. Intervention réussie sur ce ballon. Attention, il y a un bon pressing. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Gueye. Ah,
attention à cette frappe. Mais pour le gardien, là, c'est une affaire facile. Voilà, c'est très bien défendu. Kalidou Koulibaly. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Ballon pour Pape Gueye. Ah oui, l'excellent ballon. Et voilà, c'est donc la fin de cette première mi-temps au Lusail Stadium. Allez, c'est parti pour ce match de phase. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de cette rencontre de phase de poule du Mondial. Oui, c'est récupéré ça. Eh bien fait, quelle ouverture! Eh non, finalement, c'est bien récupéré. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ah, le contact sans faute. Crépin Diatta. Pour Mendy, orientation sur Pape Gueye. Le ballon qui revient sur Gueye, le centre vers la surface de réparation. Oui, bien fait de la part du gardien. Et le remplacement peut avoir lieu. Le corner. Ah, quel dommage, ça ne donne rien. Diatta à la réception. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore dans les nuages, c'est poli. Même pas sûr qu'on retrouve le ballon. Estupiñán. Attention à cette passe. Et oui, ça va au fond. Et voilà un but important, il ramène les deux équipes à égalité. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et ça finit en deux contre un. C'est imparable. D'abord on fixe, ensuite on conclut. C'est parfaitement négocié cette séquence. La fin de ce match est imprévisible, tellement de buts, tellement de rebondissements. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. Elle s'est bien donnée dans la profondeur. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Idrissa Gueye. Pape Gueye. Dia. Occasion de la dernière chance, peut-être le but du chaos sur cette conclusion. Facile pour le gardien. Crépin Diatta dans la profondeur. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Ballon pour Pape Gueye. Le ballon qui revient sur Gueye. Occasion avec cette frappe tout juste à côté. Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et ça joue sur Ismaïl Assar.
Ismail Assar. Goal dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tutti est. Con lo tocco entre les minutes, le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. On le revoit, un but dans les arrêts de jeu qui change tout et pourrait bien être synonyme de victoire. Quelle finale! Ah, le score est donc de 3 buts à 2. Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Elle renvoie donc tout le monde au vestiaire. C'est une victoire pour l'équipe visitante. Oui, une victoire qui se joue un petit but d'écart. Autant dire, pas grand-chose.